Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Monsieur, bonsoir, salam alaikum, comme c'est Accès Libre sur Radio M et Radio M Post, émission où on débat de questions liées à la politique, à la culture et à beaucoup de choses. Ce dimanche 8 mars 2020, nous avons le plaisir d'accueillir l'équipe d'un film documentaire. Je pense que c'est le premier, si je ne me trompe pas, sur le Hirak, le mouvement de contestation populaire qui est en Algérie, qui a commencé le 22 février 2019 et qui se poursuit. Nous avons donc le plaisir d'accueillir de gauche à droite, de droite à gauche, on va commencer à aller par la gauche, Yassine Merabtin, bonsoir, caméraman, et qui a contribué donc dans ce documentaire qui est réalisé par Eda Menassel, journaliste. Nous avons au milieu en noir Sofiane Bakouri, le photographe, et... Et aussi Ahmed Aït Issa, qui est également photographe, et les deux ont contribué donc au film et témoigné aussi dans ce film qui a été déjà projeté à Amnesty International au siège d'Alger le 28 février, en présence de Eda Menassel, avec un débat. Et le film sera aussi projeté le 19 mars prochain à Béjaïa, une projection en plein air, nous a dit Eda Menassel. Et également après il y aura donc une version plus longue qui sera probablement sélectionnée dans des festivals. Yassine, parlez-nous un peu de ce projet rapidement, avant de passer la parole à Sofiane et Ahmed, de ce projet d'un film sur le Hirak. C'est un mouvement qui politique, social, qui est toujours en action. Et donc vous avez décidé de marquer un peu une pause pour le... Alors disons que le projet est né tout simplement de l'idée de Reda, qui est donc réalisateur sur ce projet-là. Ce qui s'est passé, c'est que durant une des journées justement du Hirak, il a été bousculé, lui et une de ses amies photographes. Ils se sont retrouvés avec l'enregistreur, l'objectif cassé. On leur a même fait effacer une carte mémoire. Bousculé par la police. Bousculé, oui, par la police. Mmh. Donc, et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, donc l'idée a commencé à maturer pour Reda. Et ce qu'il s'est dit, c'est que ça serait quand même intéressant justement de parler déjà des gens qui prennent des risques pour apporter en quelque sorte l'information au reste des Algériens et qui en même temps participent au Hirak. Et quelque part, le but de ce documentaire, c'est aussi de montrer le côté pacifique du Hirak de façon très positive. C'est-à-dire, le but véritable, c'est vraiment de partager des expériences. Donc il ne s'agit pas de faire un film d'analyse, mais de témoignage. C'est un témoignage de 5 photographes qui ont participé activement au Hirak durant cette année. Alors les 5 photographes, en plus de Sofiane Bakouri, Ahmed Aït Issaed, Yadhia Gassi, Medou Babali et Mohamed Bouzidi, qui a donné quelques vues aériennes de ce Hirak. Alors Sofiane, parlez-nous un peu de votre participation à ce film, mais également votre expérience. On parlera tout à l'heure de votre expérience dans la couverture photographique du Hirak. Alors bonjour à tout le monde et merci pour l'invitation d'abord. Et au fait, j'ai reçu l'invitation de Reda pour participer à ce documentaire. Pour ma part, c'était important parce que on avait chacun de nous porte une vision différente de l'autre. Et étant photographe, on a tout le temps un angle de vue qui est un peu différent de ceux qui vivent le Hirak de l'intérieur. On le vit aussi, mais d'un angle un peu différent, quoi. Et voilà, je voulais un peu apporter ma vision des choses, comment je l'ai vécu. Et d'ailleurs, c'était le cas pour mes confrères aussi, voilà. Ahmed Aït Issaed ? Alors, c'est pareil. Donc on se connaît un petit peu avec Reda dans le domaine photo, média, et il nous a invités. Et moi, ce que je tiens à faire d'abord, c'est de remercier Reda de donner la parole aux photographes qui nous ne sommes que 5 parmi des centaines qui étaient là depuis le début du mouvement, et je pense qu'ils ont vraiment apporté un témoignage qui restera dans l'histoire. Aujourd'hui, quand on regarde la guerre d'Algérie ou d'autres événements qui sont passés, c'est les photos qui sont restées. Oui. Témoins, ce qui est vraiment, comment dire, ce qui est très important pour les générations à venir. Et deuxième chose, c'est je rends hommage à tous les journalistes, Reda Menassel, mais tous les autres aussi qui font un... Pas tous, bon, je reformule. Tous les journalistes engagés, parce qu'il y a beaucoup qui ont malheureusement
pas fait leur travail convenablement, mais beaucoup d'autres l'ont fait, et aujourd'hui je leur rends hommage, et j'invite les gens à les soutenir, Kima Khaled Darani et beaucoup d'autres qui sont aujourd'hui en prison, incarcérés, rien que pour avoir couvert l'Irak ou fait leur travail convenablement. Oui, ce dimanche 8 mars, Khaled Rani est au niveau de la garde à vue qui a été prolongée exceptionnellement pour lui. Khaled Rani est un journaliste qui couvre donc le Hirak depuis le début. Il y a un autre journaliste qui est Sofiane Marrakech en prison. Et son procès est prévu pour le 15 mars. Vous avez fait combien de photos, Ahmed, du Hirak depuis le début? Beaucoup. J'ai malheureusement raté quelques vendredis, mais j'en ai fait beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Plein. J'ai raté peut-être 5 vendredis sur le 5, 6, peut-être sur l'ensemble, sur toute l'année. Donc vous avez fait une cinquantaine de vendredis. Ouais. Sofiane ? Partout, hein. Genre, en Algérie, mais ailleurs aussi. Ailleurs où ? Ouais. Bah, en Allemagne, par exemple, à Berlin, à Paris, et en Algérie, je l'ai fait dans quelques autres villes. Et c'est ce qui est important, parce que l'Algérie, c'est pas que le territoire géographique, mais c'est tous les Algériens à travers le monde. Il faut pas l'oublier. La diaspora, c'est très, ils ont leur rôle à jouer, et c'est très important de porter leur voix. Ouais, oui, bah, à travers la photo. Vous faites des photos et des vidéos Je suis pas vidéaste, je suis photographe, mais je fais des vidéos pour témoigner, pour rapporter de façon comment dire, fidèle, ce qui se passe vraiment dans le Hirak, dans les manifestations. Oui. Auquel j'assiste. Sofiane, alors, vous avez fait combien de photos? Sofiane, elle a fait beaucoup plus que moi, ça c'est sûr. Sincèrement, en nombre, je pourrais pas le dire, mais j'ai un peu plus de 3 terras d'images. 3 terras, voilà, d'images. Mais après, il faut savoir, au début du Hirak, moi j'étais exclusivement sur Béjaïa. Et croyez-moi, c'était chaque jour, 3 vendredis par jour, quoi. Il y avait 3 marches minimum, mais bien organisées et tout. Et c'était chaque jour des marches. Et croyez-moi, je faisais chaque jour les marches. C'était pour rapporter un peu ce qui se passait sur le terrain. Et d'ailleurs, les autres wilayas adoraient voir ce qui se passait à Béjaïa, parce qu'on disait que Béjaïa avait un peu... pas cette formation politique, mais elle avait cet éveil politique. L'habitude des marches. Voilà, l'habitude. C'était, parce qu'ailleurs, c'était interdit. Ouais. Voilà, à Béjaïa, par contre, c'est un peu plus fun de faire une marche, c'est plus spontané, plus, voilà. Ils ont l'habitude de faire ça, d'ailleurs. Même aujourd'hui, ils inventent encore des concepts pour faire le Hirak. D'ailleurs, au début du Hirak, ils faisaient des marches avec des pièces théâtrales, plein de choses. Hein. C'était pas juste marcher pour marcher. Voilà. Yacine, on revient un peu au film, comment vous l'avez composé, comment vous l'avez imaginé. C'est vrai que Reda Menassa l'a écrit, il y a toujours des travaux dans le bâtiment où il y a notre siège. Ça dure de votre radio en train de percer. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, avec le bruit au moins peut-être. Oui. Comment le film a été... Je rappelle qu'il a été coproduit par Mediapart, c'est ça? Oui, alors, de toute façon, c'est un projet que Reda, justement, c'est-à-dire avait, comme je vous ai dit, maturé, mais c'est surtout à partir du mois de décembre, fin décembre, début janvier, que les choses ont commencé à se mettre en place. On avait fait donc des appels à travers les réseaux sociaux pour justement avoir les témoignages de différents photographes, mais aussi pour essayer de chercher en quelque sorte des aides, c'est-à-dire des personnes qui nous permettent de diffuser plus facilement. Le hasard a fait que Mediapart a répondu présent, et justement, c'est-à-dire, ils ont déjà eu l'occasion de travailler avec Reda sur un autre projet, il a même reçu un prix pour ça, justement. C'était sur le pain et le gaspillage pendant le mois de Ramadan. Oui. Donc, ça s'est fait, comme on dit, naturellement, c'est-à-dire, c'était une rétrospective, c'était, comme on dit, on a réuni donc 5 photographes, et chacun a commenté son travail, son expérience, mais aussi ce qu'il a vécu et ressenti pendant cette année. Et Ahmed est en train de prendre une photo. Comme quoi, un photographe ne s'arrête jamais. Irrémédiable. Vous prenez des photos tout le temps. Il y a la version qui a été montrée à Amnesty International, Alger, c'est une version courte. C'est ça. C'est une version temps de 35 minutes, selon moi. Oui. Il y a une version longue. Il y a une version longue en préparation. En préparation. Justement. Donc là, tout de suite, la version courte est déjà disponible sur Facebook, YouTube. Oui. Mais comme me l'avait dit Reda, c'est-à-dire nous sommes ouverts et nous sommes même contents si on pouvait organiser des projections un peu partout, c'est-à-dire même pour débattre autour du film.
et surtout autour de ce qu'est le Hirak en quelque sorte. Ce qu'est le Hirak, expliqué par l'image. Ahmed, quelle est la difficulté de filmer lorsque vous avez un mouvement de foule? Parce que souvent, il y a quelques dangers, entre guillemets, il y a des difficultés. Quelle est donc les difficultés de filmer et d'avoir la bonne photo, le bon cliché? Sincèrement, c'est... Pour moi, jusqu'à présent, c'est la crainte de la police. Ouais. Ils sont toujours aux aguets, ils guettent les photographes. Au moindre erreur où on prend en photo un policier, on te confisque... On m'a déjà... Vous avez confisqué la... Ouais, c'est plus mal, il est déjà de ça. Donc, Ils ont supprimé. Ouais. Comment ça se passe? Ils prennent Ils le prennent et t'as 5 flics qui te tombent dessus et t'as même pas le... En tenue, en civil? En tenue. Après, des fois, c'est même pas des photos frontales. Vraiment, ils sont en background flou et... Et ils veulent pas être photographiés, c'est ça? Ouais, Lou. C'est pas la foule, c'est eux. Ça dépend, en fait. Moi, je pense que c'est ce que j'ai déduit après un an de Hirak. Les policiers, ils ont un mode opératoire qui est simple. Plus il y a des gens, moins ils sont agressifs. Et quand ils voient vraiment des petits groupuscules, là, ils n'aiment pas. Non. J'aime pas, genre pas de photos, ils tabassent, c'est triste, mais voilà. C'est pas tous les flics, mais j'en ai vu quelques-uns. Et Sofiane, l'expérience, la difficulté de filmer ou de prendre des photos? La difficulté de prendre des photos? Il faut reconnaître que la première difficulté, elle est psychologique, hein, parce qu'on te met des barrières. Déjà, avoir un appareil photo en Algérie, c'est lui-même un problème psychologique, parce qu'il faut savoir que l'Algérien de nature n'aime pas l'appareil photo, parce qu'il a tout le temps été l'outil de l'ennemi, parce qu'il a été utilisé par les colons français, puis dans notre inconscient, on a toujours cet outil comme pas un butin de guerre, mais un outil de l'ennemi, quoi. Et c'est aussi quelque part. C'est-à-dire d'apparaître en public, en quelque sorte. Oui, non, mais le Hirak a fait changer beaucoup de choses par rapport à ça. Hein. Parce que les gens, ils font la marche, par exemple. Moi, je fais tout le temps la marche à sens contraire, en fait. J'attends la foule et je coupe la foule en deux. Et à chaque fois qu'on me voit, on me laisse passer. Je prends les photos frontalement. J'adore faire ça. D'ailleurs, je travaille beaucoup avec les femmes que je salue aujourd'hui par rapport à leur combat. C'est le 8 mars, c'est la journée du combat de la femme et pas de la fête de la femme. C'est pas une fête, oui. Voilà. Et je les salue, je leur rends hommage à ces braves femmes, parce que si le Hirak existe encore aujourd'hui, c'est grâce à elles. C'est elles qui ont porté ce Hirak pendant Ramadan. C'est elles qui ont porté aussi ce Hirak safe durant tout l'été. Et c'est grâce à elle que les étudiants n'ont pas été passés à tabac par les premières répressions des marches étudiantines. Ça, on l'a vécu de l'intérieur, on peut en témoigner. Par rapport à ta question, il y a tellement de problèmes par rapport à l'image. C'est pas que psychologique ou du côté des agents de l'ordre. Au fait, même le citoyen n'aime pas l'image quelque part. Mais après, on commence à la démocratiser, quelque part. Puis c'est devenu un outil comme tous les autres, qui est banal, qui est là pour rapporter le réel, pas plus, quoi. Voilà. Justement, question pour Yassine, elle est un peu philosophique. À l'époque de l'image, que tout le monde peut devenir photographe, entre guillemets, parce qu'avec le téléphone, on se prend des photos, des vidéos, et on a la hantise de l'image, on a la peur de l'image, par des autorités, pas de la population. D'où vient cette peur de l'image? Je pense aussi que, quand même, durant la décennie noire, on avait tendance à essayer surtout de se cacher et rester anonyme, surtout dans ces métiers-là. L'anonymat, oui. Donc, à mon avis, c'est aussi un héritage de cette période-là, parce que moi je me souviens, par exemple, je connaissais des militaires qui rentraient à la maison en tenue de militaire le plus naturellement du monde pendant les années 80. Ils étaient classe,
genre commandant et tout. Mmh. Et le jour où ça a commencé, comme on dit, à aller dans tous les sens, ils se sont fondus dans la masse, ils sont devenus de plus en plus discrets. Et quelque part, c'est devenu une sorte de seconde nature. Mais ça, c'est par exemple pour la police, pour des gens comme eux. Parce que aussi, il ne faut pas se mentir, hein, c'est-à-dire les réseaux sociaux, parfois, aussi peuvent jouer le rôle en quelque sorte de délateur. C'est-à-dire, on peut... Et c'est aussi pour ça que beaucoup de personnes ne veulent pas, même chez les gens, ne veulent pas être pris en photo. Le Hirak a fait quand même quelque chose de génial, c'est que quelque part, l'Algérien s'est accepté et a accepté d'être pris en photo. Il a accepté son image. Il a accepté un peu plus son image. Il y a même des gens qui parfois viennent vers vous pour être pris en photo. Sowarné. Moi, ce que j'appelle double effet qui se coule, ce que j'adore, c'est quand j'ai un gars qui vient avec une pancarte et qui me montre sa pancarte. Alors, je prends la photo, par exemple, où j'imagine que ça vous est arrivé. Mm-hmm. Et puis, à un moment donné, genre, on se dit ça et c'est fini. Puis, d'avoir la pancarte, il y a un deuxième message derrière. Ouais. Et c'est particulier. Hein. C'est-à-dire, d'habitude, c'est une revendication. Non, durant le Hirak, c'est plusieurs choses. Donc, quelque part, l'Algérien a accepté un peu plus la photo. Ouais. Après, encore une fois, c'est-à-dire... Il peut aussi parfois considérer que c'est des journalistes. Donc parfois, il n'est pas à l'aise avec eux. Parce que malheureusement, il y a des, je pense, hein, il y a des télés, il y a des médias qui ont un peu terni l'image du journaliste, du professionnel des médias. Vous pensez à quelle chaîne ? Nahar et compagnie. Désolé, Allez-y. Nahar aura le droit de répondre, il n'y a pas de problème. Voilà. On m'a dit. C'est pas un truc. Ça n'a rien de personnel. Plusieurs fois, je prends des vidéos, c'est pas une, deux, c'est très très fréquent. Et du coup, je leur dis non, je suis photographe. Et là, ils deviennent moins agressifs. Moi, avant le Hirak, je faisais autre chose. Je montrais l'Algérie. J'ai un projet qui s'appelle Algérie Vue d'en bas et j'aime raconter un peu le... C'est un site ? C'est des réseaux sociaux. Donc, réseaux sociaux. Je suis actif essentiellement sur Instagram. Donc je raconte un petit peu l'Algérie comme je le vis. Par opposition à l'Algérie Vue du ciel ? Pas par opposition, mais c'est juste une contre-lecture si tu veux. C'est-à-dire qu'il s'adresse plus à l'humain, en quelque sorte. En fait, le seul point commun, c'est le titre. Parce que le projet existait bien avant. Avant le documentaire, j'aime beaucoup le documentaire de Alexis Bertrand, mais moi j'aime beaucoup plus montrer l'humain. C'est pour cela que le 22 février, depuis je ne fais presque que le Hirak. Uniquement. C'est un moment historique. C'est un moment historique. C'est Mindakak d'Ashrallah, on me dit ouais, le Hirak, les gars, c'est un moment historique. On a, du moins, pour ma génération, la génération Terre 80, ils ont vécu leur, révolution, si on veut, 62, chacun, là, c'est... C'est une révolution, pour vous. Oui, c'est une révolution. C'est une révolution pacifique, qui veut du bien pour l'Algérie, c'est clair. Sur tout ce qui se dit à côté, pour moi, c'est que de la spéculation. Ils veulent ternir l'image du Hirak, et ils veulent ternir l'image des gens qui veulent... qui veulent du bien à l'Algérie. Donc je le dis ici à travers ce micro, Hana Habin Khir Zahir. Donc ma kala hadik la zouave, toutes ces histoires, Tchouich. Moi je suis quelqu'un de très positif. J'ai toujours essayé à mon petit Kemer Rolo, à ma petite échelle, de faire des choses positives, des actions de nettoyage, de la culture, j'essaie de vraiment, et ça c'était avant le Hirak. Aujourd'hui, je pense que c'est une occasion pour changer les mentalités, parce que le plus grand combat, donc à Fetterek, les vendredis, ou là, en dehors des vendredis, c'est ce qu'on peut changer en nous. Donc, tu m'chif, le Hirak, n'a cité Hadro, je me rappelle pas, n'a m'chif Fetterek, et on parlait de l'Algérie, on avait des débats. À un moment donné, avec des amis, Adila, Bilal et compagnie, on avait lancé un mouvement, enfin un concept, c'est le débat des marches sur le match du TNA. Théâtre national algérien. Voilà. C'est la rencontre des artistes, c'était chaque année. Pas que des artistes, ce qui était excellent en fait. Ouais. Oui, initié par des artistes, mais il y avait de tout. Mais vraiment de tout, des architectes, des chômeurs,
y avait des gars qui travaillaient dans le café à côté, et tout le monde était là pour écouter l'autre. À chaque fois que Wahdi Hadar, le Khringa il s'imaou. À un moment donné, bon, ça part un peu. Il dit, le problème de communication qu'on a, et vite fait, on se rattrape, et je trouve ça génial. On pouvait se mettre devant le TNA, prendre la parole, parler de politique, de Bouteflika, de... Ça s'est déjà passé en Algérie entre 90 et 90. Je parle justement de mon vécu. Il y avait deux ans de démocratie totale en Algérie entre 90 et 90. Ouais, mais moi j'étais très très jeune. Bah on était tous, mais après... C'est pour ça que je parle de ma génération. Voilà, j'insiste sur ce point. Tout ce que je dis là, je parle pour notre génération. Je trouve qu'il est important que chacun fasse sa part du travail. À l'époque, je pense qu'il y a beaucoup de journalistes, d'activistes, de politiciens, d'artistes qui ont bien joué leur rôle. Ça n'a pas marché, malheureusement. On a vécu une décennie qui était... Non, ça n'a pas marché. Qu'il chauffe le résultat. Après, il y a sûrement des choses qui ont été réalisées. Kimadoka, j'espère que ça va marcher. Soubien, vous en pensez quoi des années Bouteflika, des 20 ans? C'est qui Bouteflika? Dans l'histoire, il restera l'ancien président d'Algérie. En fait, c'est bien. 32 ans, j'ai 32 ans, je vais avoir 33 dans quelques jours. Donc, vous avez vécu 20 ans. 20 ans demain, Virahma Bouteflika. Tout à l'heure, je te racontais. C'est des années perdues, Soubien, pour toi. C'est pas des années perdues, non. Aucun cas, au fait, mais c'est des années, au fait, où on aurait pu avancer d'un grand pas de géant vers un futur plus propice que celui qu'on a aujourd'hui, tu vois. Oui. Malheureusement, on a perdu énormément d'argent. C'est une période où l'Algérie était extrêmement riche. Oui. 1000 milliards de dollars. Waouh, c'est énorme. Personne n'en parle de ces 1000 milliards de dollars. Ben non, on se prend la tête avec d'autres futilités, tu vois. Et malheureusement, c'est ça. En fait, tout ce qui est positif en Algérie, il faut... Tu vois, tout à l'heure, Ahmed y parlait de pensée positive. Le début du Hirak, ce qui était remarquable, c'est la pensée positive. C'était la conscience collective. Et là, c'est ce qu'on essaye de casser, au fait. C'est ça ce qui fait peur. Vous pensez à qui? Au pouvoir? Il y a pas mal d'organisations, on va dire, qui veulent détruire l'Algérie, parce que l'Algérie, c'est pas juste l'Algérien contre l'Algérien. Il faut avoir aussi la faculté de prendre le recul et de voir les choses à l'échelle internationale. Parce que là aussi, c'est les Émiratis, c'est la France. Les contre-révolutions qui est faite à l'extérieur? Bien sûr, c'est tout à fait normal. Et ça n'a pas commencé au 22 février, ça a commencé les années 80, et on connaît tous cette période, comment elle a fini, quoi. Et qu'est-ce que vous avez retenu des années Bouteflika? Je reviens à la question de... Ben, je t'ai dit tout à l'heure, 20 ans, pas perdu, mais on a genre diminué nos chances de 80%, quoi. On avait plus de chances de bâtir un vrai État. On va pas dire démocratique, puisqu'on ne sait pas de quoi on veut bâtir ce pays, mais quand même, on pouvait, à cette époque, créer plusieurs États dans un État. Déjà, tu vois, on veut plusieurs cités plutôt dans cet État, tu vois. Créer plusieurs Los Angeles, si on veut, dans ce pays. On avait l'argent, on avait la ressource humaine, surtout. On avait les facultés pour ça. Mais on a préféré pousser les gens à l'exode, que les retenir avec par exemple mettre ils auraient pu mettre par exemple des universités plus aptes à ces gens pour travailler, ou des labos, des trucs, tu vois, des usines. Mais on a tout cassé, on a tout bradé un dinar symbolique. C'est une occasion ratée, donc. Je pense que... Est-ce que vous pensez, les situations pour vous trois, parce que la question a été posée la semaine passée dans le procès de l'assemblage de véhicules et le financement occulte de la campagne de Bouteflika. L'ancien Premier ministre, le mec Selle, qui dit qu'il pourra ramener Bouteflika comme témoin. Est-ce que vous pensez qu'il faut juger Abdelaziz Bouteflika? Elle est très très bonne, la question. Est-ce que... on doit juger la personne responsable de ce massacre? Je sais pas. D'après vous? Ben c'est sûr, on doit, je pense qu'on doit au minimum
l'appeler à témoignage, au minimum, je dis, appeler à témoignage, parce que si on veut vraiment avancer, il faut qu'on sache où on a merdé. Et ces points-là, c'est pas moi ou un autre qui va raconter cette période, parce qu'on l'a pas vécu de l'intérieur. Mmh. Il y a des secrets d'État, il y a plein de choses. Et je crois que c'est les gens impliqués qui doivent raconter un peu ce qui s'est passé réellement. Après, si on doit les juger ou pas, je pense que c'est pas à mon niveau de le dire. Il y a des gens qui sont compétents pour ça, pour dire à ce qu'ils doivent être jugés ou pas. Mais mon avis personnel, je pense que toute personne impliquée dans ce massacre doit être assumer ses responsabilités. Comme toute personne qui détient un petit pouvoir ou un grand pouvoir en Algérie, parce que la constitution algérienne ou la loi algérienne défend, on a tous les articles possibles du monde, on a parmi les plus belles constitutions du monde, mais l'application c'est tout à fait un autre volet, voilà. Voilà, on n'a pas d'organisme qui peut suivre, par exemple, l'application des lois, on n'a pas plein de choses. Par rapport à Bouteflika, je pense que c'est l'un des points négatifs aussi, voilà. Yassine, Erabtin, vous en pensez quoi de ces années de Bouteflika que le Hirak, maintenant, conteste et... Ben, je pense qu'on a tous quelque part ou indirectement contesté aussi ces années-là. Durant cette période-là, on était dans une forme de résistance passive. Après, c'est vrai que c'est plutôt le Hirak qui a permis en quelque sorte de nous unir, parce que on n'était pas dupes. On était peut-être endormis quelque part. Endormis. On a choisi aussi de le faire parce qu'on avait peur des résultats. On avait peur de ce que ça pouvait donner. On avait les traumatismes de toutes ces années-là. Et puis pour moi, dans le cadre de Bouteflika, comme on dit, je vous mentirai pas, c'est limite aujourd'hui, je m'en fiche. Pour une raison très simple, je veux avancer, je veux qu'on avance. Ouais. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qu'il a fait, ce qu'il est, et tout ça. Si certains ont envie, comme on dit, d'être dans la vindicte populaire, moi je préfère plutôt voir l'avenir. J'ai envie qu'on construise quelque chose de bien. Aujourd'hui, ce qui est bien avec le Hirak quelque part, c'est que ça nous a réconciliés avec notre côté algérien. C'est-à-dire, on était pendant des années quelque part presque blasés d'être algérien. Les seuls moments où on était content, c'était soit, enfin pas content, où on était fier d'être algérien, c'était soit durant les matchs de foot, qu'on réussit à essayer de gagner, ou durant les catastrophes où là on se montrait unis. Ouais. Là, durant le Hirak, c'est une réalité, hein, c'est-à-dire que c'est plus fort que nous. Mmh. Et là, durant le Hirak, quelque part, on a renoué le dialogue, mais aussi on a redécouvert qu'il y avait des gens bien. Mmh. Et c'est ça qui est important. Et pour moi, sincèrement, c'est-à-dire débat ou pas débat, le juger ou pas le juger, limite, ça n'a pas d'importance, parce que ce qu'il faut faire, c'est construire quelque chose. C'est pas le but du Hirak aussi. Le Hirak, en fait, il apporte quelque chose de très très positif. Après, le rôle du Hirak, est-ce que c'est son rôle de juger les gens? Je pense pas que c'est son rôle. Mmh. Le Hirak, il est là parce qu'il... Au fait, quelque part aussi, c'est grâce à Bouteflika. Moi, je vais le dire. C'est grâce à Bouteflika que l'Algérien aujourd'hui peut se dire... Tu rentreras pas, mais déjà il y a demain. Mon Algérien aussi, c'est mon frère. C'est grâce à Bouteflika que je l'ai connu aujourd'hui, tu vois. On n'a pas su se... Avant l'ère Bouteflika, c'est grâce à ces bêtises qu'aujourd'hui l'Algérien, là, il démarche. Avant, c'était interdit de faire des marches à Alger. Il y avait des marches dans les années 80, il y avait par le passé. Mais depuis, on a. Ça fait des années qu'on n'a pas vu des marches à Alger, tu vois. Tu vois, c'est plein de choses. Ça un côté négatif, énormément négatif, mais il y a quelques points positifs aussi, parce qu'on ne peut pas genre naître de rien comme ça et venir voir, dire ou faire quelque chose de positif. Il faut avoir quelque chose qui sera négatif, qui plus tard arriver à faire quelque chose de positif avec. Voilà. Ahmed, vous en pensez quoi? Alors moi, c'est très très simple. Je suis totalement d'accord avec vous sur le point... on doit passer, aller de l'avant. Franchement, c'est bon. Bouteflika, il est à côté. On peut rester et parler que de Bouteflika. On peut bloquer sur ce point. Mais je pense qu'il est beaucoup plus important de continuer, de donner la force au Hirak, mettre plus de pression, justement pour couper le problème de la source. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la justice ne fait pas vraiment son travail, qui chauffe ce qui se passe là aujourd'hui. Il y a des journalistes, il y a des citoyens qui sont en prison parce qu'ils
Ils ont juste exprimé leur avis, leur opinion. Et je pense que c'est clair. Ce qui se passe, c'est si on arrive à mettre assez de pression avec le Hirak, avec beaucoup d'intelligence, on va couper le problème à sa source. Ça va vraiment pas être facile. Ça, j'insiste quand même. Zafna, c'est quoi l'action? Hirak Majabwal. Je discute très régulièrement avec des gens, taxi, et quand même, ils ont perdu l'espoir. Je pense que dès le premier jour du Hirak, il fallait se mettre dans la cabeça, dans la tête, que ça ne va pas être du gâteau, ça va prendre du temps, et surtout qu'ils n'allaient pas nous laisser le faire. Je pense que ça va de soi. Il dit, ouais, t'es là, pépère, qui met au sommet de la pyramide, et quelqu'un qui veut te jeter. Ils acceptent pas, c'est normal. C'est tout à fait normal qu'il y ait la résistance. La résistance au changement. Voilà, donc Houma, il montre de la résistance. Nous, on doit montrer de la persévérance et de l'endurance. Les gars, sur la Anishoufikum, ça va pas être du gâteau. Ça va pas être facile. Mais je te conseille là. On doit tenir le coup. Parce que s'ils arrivent à éteindre le feu à Data al-Hirak, croyez-moi que ça va être encore plus compliqué. Parce que sur le Wulat Fawhadi, c'est... Je reviens à une question de la Kabou 3 aussi, c'est sur les images du Hirak. Parce qu'il y a des images où le Harak, en fait, en réalité, en arabe, c'est le Harak, c'est le mouvement. Oui, le Harak, bon, ça a été adopté. Des photos, il y a des photos qui ont marqué le Harak depuis le début. La photo de la ballerine, la photo de la dame qui donne la rose au policier, Itna Hawgat, à Sofiane, etc. Quelles sont les images qui. Ahmed Matarahoul Yassine, les images qui vous ont marqué le plus depuis le début de la contestation marche. Il y en a plein. Ah bah sur le tu nous demandes sur le troll. Il y a une image qui vous-même Sophie nous avez fait des photos qui se dégagent. Il y a l'image d'une maman par exemple. Une maman c'est la maman d'un détenu Hakim Mohamed le 2022 mazal au habs. Elle pleurait tu vois sur le. Sur le tracteur je pouvais plus. Enfin, ça vous a de l'émotion. C'est d'émotion parce que un qui ne chauffe pas, genre mine d'un tour le barquement de Rochebeker, genre qui va se traîner et tout. Savoir que ton enfant est en prison, il est goutte de qui te smash qui ou il est rejou, qu'il dormait dans des toilettes. Enfin, c'est ils sont vraiment détenus dans des conditions catastrophiques et c'est difficile. Et comment mettre l'émotion en image? Ah, ça, il faut l'avoir déjà en lui-même. Hein. C'est prendre des photos, c'est quelque chose, mais être artiste, photographe, c'est autre chose. Hein, tu vois, pouvoir transmettre de l'émotion via son image, c'est. Il faut déjà être soi-même quelqu'un d'émotif, tu vois. Et en fait, ce moment-là, tu le ressens, ça devient quelque chose de mécanique. Le moment, tu l'aperçois, quoi. C'est là où tu cliques. La dernière fois, cette semaine, à Wuhran, le festival, la journée de la photo à Wuhran, festival, c'est, pour moi, c'est le plus grand festival de la photographie, le plus grand événement photographique en Algérie. Il y avait la projection du film Tareza. Et le film, il disait un truc qui était très intéressant. On ne prend pas de photos. C'est les sujets qui nous donnent les photographies. Ouais. Et c'est, ils te donnent l'émotion, ils te donnent la force de l'image. Vraiment, c'est la personne qui est devant ou là, c'est la scène qui te la donne. Nous, en fait, on... T'es là au bon moment, au bon endroit. Voilà, on essaie juste de rassembler au fait les éléments. Et on attend le moment fatidique, puis avec instinct ou avec l'expérience, on arrive à capter le moment. Dès qu'on appuie quelques millièmes de seconde avant que ça arrive, au fait. C'est comme ça. Après, il y a des gens qui, comme la photo de la ballerine, par exemple, c'est une mise en scène et tout, quelque chose de très pensé. Et je trouve que c'est très beau. Voilà. Après, chacun, comment il s'exprime, au fait, dans l'image, c'est pas... Parce qu'on a cinq photographes, par exemple, sur ce documentaire,
il y a 5 visions différentes. Mmh. On n'a pas les mêmes visions, on n'a pas le même vécu aussi, qui est très important dans ce genre de pratique. Et chacun, comment il arrive à capter ce côté, en fait. Voilà. Dans le documentaire, parce que j'ai vu la version courte, mmh. vous avez fait parler les photographes sur des images, certaines oui. images. Comment vous avez fait cette sélection de... Ben, la sélection, c'est les photographes qui l'ont eux-mêmes. Ouais. On leur a demandé, voilà, quand Tareda avait fait l'appel et tout ça, c'est-à-dire entre les photographes qu'il connaissait, mais aussi les photographes qu'il a rencontrés à travers cet appel-là, il leur a demandé de faire une sélection de 8 photos. Et photos ou vidéos, hein, sur lesquelles ils allaient justement se servir en quelque sorte de base pour pouvoir justement, c'est-à-dire raconter leur vécu durant cette année. Mmh. Donc c'était à peu près comme ça. C'est une sélection de... Est-ce qu'il y a des images inédites dans ce documentaire qu'on n'a pas vu ailleurs? Bah, ce sont les photos des photographes, et donc c'est eux qui peuvent vous répondre. Mais oui, il y en a beaucoup, c'est des photos inédites. Après, encore une fois, c'est-à-dire il y a tellement de photos qu'aujourd'hui... Pour ma part, il y en avait une ou deux qui étaient inédites, que je n'ai pas montrées avant. Mais après, je pense... J'en ai montré beaucoup d'autres aussi. Oui, après, je fais circuler énormément d'images sur les réseaux sociaux. Je suis là pour informer aussi de ce qui se passe sur le terrain. Je suis tout le temps sur des événements, sur des marches. Tu vois, les premiers débats, les premières conférences... Par exemple, sur Bougie, j'y ai été, tu vois. Du coup, ces images aujourd'hui, ça devient un trésor, hein, parce que si demain un jeune sociologue voudrait un peu faire une étude par rapport à cette population, il va s'inspirer de quoi, au fait? C'est quoi ces archives? C'est quoi ces références? On est là pour faire une part de ce travail, au fait. C'est un travail pour l'histoire. D'ailleurs, le jour où on m'a arrêté, on m'a demandé qu'est-ce que tu fais. Je vous ai arrêté où? C'est là, ici, devant la Grande Poste, c'était le 1er novembre. 2019. Oui. On m'a posé la question, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, voilà, je suis photographe, artiste photographe. On m'a dit que c'est pas ton rôle de faire les photos du Hirak. Je lui ai dit, mais je fais... Qui vous a dit ça, le policier? Oui, avec toute gentillesse, je lui ai dit, mais oui, je suis d'accord, mais je fais mon travail d'archive. J'archive ce qui se passe en Algérie aujourd'hui. Mmh. Dans 20 ans, 40 ans, on entendra sûrement parler de ce Hirak, mais on ne sait pas ce qui s'est réellement passé sans images, sans vidéos, sans témoignages. Et c'est notre rôle, parce qu'on apporte ce qu'on voit. C'est aussi simple que ça. On n'est pas là pour prendre parti, parce que normalement, on ne prend pas parti. Parfois, on le prend par sentiment, par amour à ce pays, parce qu'on ne peut pas être aussi objectif à 100%. C'est impossible. Est-ce que vous êtes objectif dans votre travail? Moi, j'essaie. Je te dis, j'essaie, mais c'est de l'ordre de l'impossible pour un Algérien. L'Algérien ne peut pas être objectif. On est impliqué, mais jusqu'à l'os. Hein. On est impliqué dedans. On se sent impliqué jusqu'à... Je ne sais pas comment te les décrire, en fait. Mais on essaie. Pour ma part, j'essaie. Voilà. Pour ma part, j'essaie d'être fidèle. Donc, vous montrez tout. Je montre tout. Mmh. Par contre, je pense que je suis subjectif. Vous savez, le 22 février, pour moi, il a changé beaucoup de choses. En moi, déjà. Et c'est des choses que j'aimerais bien transmettre. Je pense qu'on parlait, on râlait très souvent et on faisait peu. Depuis le 22, c'était une décision, évidente et tacite, où j'ai commencé à faire plus qu'à dire. Donc, sur plusieurs volets. Comme je l'ai dit tout à l'heure, écologique, culturel. Si chacun de nous pouvait influencer positivement, ne serait-ce qu'une petite partie de la population, des gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qu'on côtoie, je pense que c'est très important. Donc oui, sur ce volet, je suis subjectif, dans vraiment une volonté d'apporter quelque chose. Est-ce que vous pensez à faire des albums? C'est quoi l'album? C'est un peu ancien. C'est un peu ancien, oui, mais ça reste. Bien. Hein. Exposition de quelques... Non, exposition, des albums protégés. Ben, ça c'est clair. Ça travaille en fait, libresque. Sincèrement, c'est tout frais. Vous êtes réticent. Faire une exposition aujourd'hui, en Algérie, on est en plein dedans.
Exactement. En fait, c'est quelque chose qui est encore là, tu vois. On ne peut pas raconter quelque chose qu'on vit encore. Oui, mais il y a déjà des livres qui, ont déjà sorti, oui, qui sont oui, sortis. Oui, il y a des livres avec qui j'ai participé aussi, mais personnellement, je trouve ça, c'est un peu... C'est un peu trop prématuré. Prématuré. Ça dépend, en fait, ça dépend au fait la démarche de, de cette œuvre. La fait. Volonté, exactement. Voilà. Mais pour ma part, en tant qu'artiste photographe, je trouve faire une exposition du Hirak aujourd'hui, c'est un peu prématuré pour ça. Mm. Voilà. Il y aura un moment juste pour le faire. Voilà. Ce sera ce moment-là. Voilà. Comme par exemple, si je peux juste apporter un témoignage par rapport au livre de Bourras. Sur la dyslexie noire, Amar Bourras, que je salue au passage, c'est un livre qui est tombé du ciel au bon moment, tu vois. Juste avec des photos, il y a avec, beaucoup de photos en noir et blanc également. Voilà, c'est quelqu'un que je connais depuis des années, je ne savais pas qu'il a travaillé en tant que photographe reporter, et en découvrant ces images, j'étais... C'était un bouffé parce que c'était une guerre sans images à cette époque-là aussi. Oui, et elle est toujours guerre sans images. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas un travail complet photographique sur voilà, les mais il y a même des photographes, il y a des photographes ouais. étrangers qui ont travaillé aussi. Les étrangers, mais ça gère un peu. En Algérie, on a, mais apparemment, d'après quelques témoignages au fait de quelques amis photographes, ils ne sont pas encore prêts à ressortir ces images. Soit ils sont perdus pendant l'incendie de la maison de presse, c'est ça? La maison de presse. Voilà, il y a quelques années. Oui, oui, il y a pas mal de choses, au fait. Mais ça existe encore. Il y a des clichés qui existent encore. Hassine Zahra, il en garde encore des chefs-d'œuvre, tu vois, de la dessinée noire. Hassine Zahra qui a fait une photo très célèbre. La Madame la Madame de Bentalha. La Madame de Bentalha. Que je salue au passage aussi. On salue tous aussi. C'est le seul work de presse algérien et arabe aussi, je pense, c'est ça? Il y a aussi Farouk Batish, je pense qu'il est... Il est nominé à cette fois-ci, oui. Eh bien, bon courage pour lui. C'est un photographe que je ne connais pas personnellement, mais en découvrant son image, sincèrement, elle est d'une force incroyable, l'image. Hein. Oui. Voilà. Et en voyant ce genre d'image, qu'est-ce qu'elle fait de mauvais, à part faire son rôle d'image? Ça gêne, ça dit la vérité, et la vérité, ça gêne, oui, ça fait mal. Avant, changer l'histoire, quoi. Oui. Je parle là de la photo, Vietnam. Voilà, pas Napal, il s'appelle comment? Elle a changé l'opinion publique mondiale. Énorme. Uniquement le... En fait, c'est cette période qui a fait basculer un peu les choses en défaveur du photojournalisme. Et c'est là où les Américains ont compris l'enjeu de l'image, au fait. D'ailleurs, on le voit juste après la guerre d'Irak, 92-93 et tout, ils ont encadré les photojournalistes. Ils étaient interdits de quitter le périmètre ordonné par les militaires, tu vois. Et c'est ce qu'on voit un peu partout dans le monde aujourd'hui, que les photographes ne prennent pas les initiatives tout seuls pour y aller découvrir. Ils sont rares. Je dis pas que ça n'existe pas, mais ils sont rares. Ça devient un peu plus cadré dans un périmètre, tu vois, et il y a des témoignages par rapport à ça. Du coup, le rôle du photographe aujourd'hui, c'est quoi son rôle? Mais la photo artistique donne théoriquement beaucoup plus de liberté que la photo journaliste. Oui. Oui, photo d'auteur, c'est un volet un peu... mais c'est vaste aussi. Hein. Ouais, c'est tellement vaste. Ouais, c'est vaste, oui. Ouais, mais ça laisse la liberté au photographe ou à l'artiste de pratiquer, d'intervenir sur son image, de la modifier, la modeler. Du coup, on parle de est-ce qu'elle est réelle, cette image? Non, aucune photo n'est réelle, en fait. Mmh. Même celle que les photoreporters rapportent, elle est délimitée par le cadre, d'ailleurs, déjà, et par le temps. Parce qu'on oublie souvent ce paramètre temps. Mais comment l'image, c'est une question aussi un peu philosophique, comment l'image peut-elle garder sa crédibilité à l'époque où on peut trafiquer les images, les manipuler, les monter, les remonter? Il y a des outils pour ça. Il y a des outils déjà, mais moi je pense que c'est en croix. Plus on a des photographes, des photojournalistes, des journalistes qui rapportent un événement, plus on a un condensé d'informations qu'on peut manipuler une photo, deux, une vidéo. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, ça peut faire des... je pense que quand c'est bien reporté par plusieurs photographes qui font convenablement leur travail, on ne peut pas. C'est un algorithme assez compliqué. Il y a d'ailleurs un des photographes les plus renommés du monde, comment il s'appelle d'ailleurs
qu'est-ce qu'il a Allez, on trouvera son nom après. Un site ou gars, le moyen. En fait, il a des photos de documentaires et tout. Et on sait dans le documentaire, c'est interdit de toucher, de modifier. Et il y a quelques années, un autre photographe a démasqué ce photographe en pleine exposition où il avait un ancien cliché de cette image. Et la toute récente, elle était modifiée par rapport à l'ancienne. Du coup, ils ont fait, c'était en 2014, ils ont fait la comparaison, ils ont découvert que ce mec retouchait ses images, mais le problème, c'est pas la retouche, c'est la reconnaissance de son travail. Il le dit pas clairement que je retouche mes images. Mmh. La déformation de la réalité, elle est importante dans le documentaire. Oui, c'est certainement ça. Après, avoir de la notoriété aussi, ça peut faire faire des choses à des gens inconsciemment aussi. Voilà. Est-ce que vos images ont été montrées à l'étranger, Maître Oula Soupien ? Pour moi, oui. J'ai participé à quelques expositions à l'étranger. Une, c'était à Bruxelles, c'était le mois de septembre, je crois, avec 5 photographes, 3 Algériens et 2 photographes étrangers. Et on parlait de l'Algérie en général. Il y avait de tout, pas exclusivement des photos du Hirak, mais on montrait, il s'était intitulé « L'Algérie, le grand géant oublié ». Et ça parlait, grand géant oublié. Voilà, le pays géant oublié, quelque chose comme ça, je me rappelle plus. Il y avait aussi, j'ai exposé mes photos aussi à Arles, je crois, voilà, c'était à Arles. Je me rappelle plus. C'était l'essentiel, c'était en France. C'était mois d'août. Voilà. Il y aura aussi prochainement d'autres expositions. Une exposition sur le poteau du Hirak en Algérie, c'est possible pour pas terminer. Pas pour tout de suite. Moi, je le dis pour ma part, pas pour tout de suite. Je sens que c'est encore très très frais. Je peux montrer des images comme ça. Je pense qu'il est temps encore personne, pour faire des choses. Mais pour faire recul. On a besoin de ce recul au fait pour un peu essayer de tamiser un peu ces images, de savoir quelle est l'image la plus importante par rapport à d'autres, parce qu'on a des millions d'images quand même. Pour une sélection. Aujourd'hui, c'est l'ère du numérique, on garde toutes les images. On fait pas, on n'a pas des planches de contact comme se faisait dans le temps. Si c'était des pellicules, Sofiane aurait besoin de milliards, de 3 conteneurs. C'est le numérique qui nous permet de faire ça. Mais sinon, si c'était avec des clichés à l'ancienne, ça aurait été un peu compliqué. Yacine, il ne reste pas beaucoup de temps. Le film, est-ce qu'il peut être extensible? Parce que la 52 minutes, la personne longue. Oui. Est-ce que, parce que Sofiane Ahmed en parlait d'un mouvement qui est toujours en cours. Est-ce que c'est possible? Ça, comme on dit, il faut poser surtout la question au réalisateur. C'est lui qui a, comme on dit, la vision. Allez, qu'on salue par la même occasion. Oui. C'est lui qui a la vision. Mais en même temps, déjà, la volonté est déjà d'aller vers le 52 minutes. C'est-à-dire, déjà, 52 minutes, ça peut résumer beaucoup de choses. C'est pas de faire quelque chose de trop long, parce que après, ça demande. Après, c'est compliqué de résumer une année en 52 minutes, c'est. Non, mais 5 photographes, et il y avait des plans de coupe, donc. Ouais. C'était vraiment condensé, quoi. Voilà, parce que après faire 1h30, encore une fois, là, c'est un travail qui est beaucoup plus long, c'est un travail qui prendrait beaucoup plus de temps. C'est pas quelque chose qui s'est fait en quelques mois, c'est quelque chose qui se ferait en 1 année, 2 années, parfois 3. Oui. Parce qu'un film documentaire qui se respecte, c'est 2 à 3 années, voire parfois dans certains cas, c'est même 10 années de travail. Oui. Donc c'est pour ça que pour l'instant, 52 minutes, c'est déjà un format qui est intéressant. Mmh. Ensuite, on sait jamais, ça peut découler sur d'autres choses. Le montage, c'est pas vous qui avez. C'est avec l'aide justement d'une équipe de des haut-parleurs, mais toujours chapeautée par l'EDA. C'est-à-dire, c'est lui qui donnait les grandes lignes. Eux n'ont fait que le travail justement de montage. Le montage technique seulement. Technique, exactement. Ouais. Voilà. C'est-à-dire le côté, tout ce qui est narration, tout ce qui est, comme on dit, contenu, c'est algérien, c'est mettre en valeur nos chers photographes. Et c'était par chapitre, j'ai vu que c'était par chapitre. C'était une rétrospective d'une année. Donc c'était par exemple donc les témoignages de ce qui s'est passé au début, au milieu et puis vers la fin, on va dire, de l'année. C'est expliquer tout ça. Donc, et parfois c'est même le meilleur format parce que ça permet d'avoir une vision plus claire. Condensé. Oui.
Merci beaucoup, Yassine. Merci, Sopiel. Ben, je t'en prie. Merci, Ahmed. Des projets en vue ? Ah, regarde-moi. Attends, on a une idée. Ben, dans le moment, on ne doit pas se révéler nos projets. Allez, le plus important. Le projet qui me passe par la tête. Pour moi, j'expose au mois d'avril. Alors, c'est à Montélémar, en France. une série photographique exclusive. Sur ? Sur la cabine famille, en Kabylie, en fait. Qui raconte un peu le retour à la source. C'est une famille d'ingénieurs, bon, en fait ils sont à la retraite aujourd'hui, qui ont fait le choix de retourner dans leur village natal et de vivre avec leurs enfants, leurs petits-enfants, pour leur inculquer la culture, le savoir, et retrouver aussi leurs sensations d'enfance. Voilà, elle sera à Montélémar dans un festival photographique. Voilà. Alors moi j'ai plus un message à passer. Allez-y. Donc pour les projets, je suis pas au niveau de maturité pour en parler. C'est pas encore, c'est tout frais. Moi j'ai un message à passer aux médias. Moi je pense que c'est pour ça que je remercie encore Aleda de donner la parole à des photographes par exemple comme Sofiane qui ont vécu. Pas que le vendredi, mais à un moment donné, il y avait des télés qui ont déserté complètement le champ médiatique. Ils ne disaient rien du Hirak, ou pire encore, ils voulaient le casser. Donc, faites juste votre travail fidèlement, quoi. Soyez honnête. Ouais. Et je salue tous les journalistes, mais vraiment, hein, les journalistes qui. Il y a des journalistes qui ont quitté leur boulot, qui ont été chassés, Mahal Zarabia et compagnie. Quand je dis non, c'est vraiment si derrière. C'est pas juste Alger, il faut le dire aussi. Aujourd'hui, c'est très important. C'est très important en dehors d'Alger. Moi, personnellement, j'ai fait le choix avec une consoeur journaliste aussi de sillonner un peu l'Algérie pour rapporter leurs avis. C'est très important. Comment ils le vivent, comment ils le voient. Et c'est très très important parce que l'Algérie, c'est pas que Alger, c'est 2,5 millions de kilomètres carrés. C'est rempli de l'Afrique. Du coup, on a des avis différents, on a des visions différentes, des influences aussi différentes qu'il faut rapporter, qu'il faut noter, qu'il faut. Et c'est très important, je pense. Et le Hirak, je pense qu'il est rassembleur. Je pense. Hein. Ouais. Moi, c'est même si dans l'apparence, c'est peut-être pas le cas. Chacun nage un peu de son côté, mais voilà. Donc les journalistes partout dans le pays, j'espère qu'ils feront leur travail pour rapporter fidèlement le... Absolument, il y a aussi des photographes dans les régions qui font aussi un excellent travail. Qu'on salue. Dans les wilayas, etc. Merci Ahmed Merissa. Merci pour l'invitation. Merci Sofiane Bakouri. Merci beaucoup. Yassine Mrabtaï qui n'a pas beaucoup parlé, il est resté en retrait. C'est eux les premiers, comme on dit, c'est eux qui sont c'est eux les, ouais, ouais, les personnages du documentaire. Exactement. Merci. Le Objectif Hala, qui est un film documentaire réalisé par Reda Menassel, il sera bientôt prêt, ça c'est qu'on minutes. Sinon, il y a la version courte qui est disponible. La version courte sur YouTube. Objectif Hirak. Objectif Hirak. Donc, on tape Objectif Hirak et on peut la voir sur YouTube et sur Facebook. En attendant qu'il y ait d'autres films documentaires sur Hirak. Et puis aussi, même, on invite des ciné-clubs à projeter le film. Et s'ils veulent, c'est-à-dire il peut y avoir la présence justement de certaines personnes pour pouvoir débattre, pour pouvoir discuter du film et tout. D'ailleurs, le 19 mars, il sera projeté au ciné-club d'Objaya en plein air en plus. En plein air. Un beau petit espace où on a l'habitude de projeter des films. C'est où, Objet ? Ce sera juste à côté de la place Guidon, en fait. La place Guidon, tout le monde la connaît. Là où il y a les cafés, oui. Voilà, ouais. Voilà, c'est juste à côté. Un très très beau espace, au fait, et je serais heureux de d'y être. Vous serez là-bas. Les impressions des uns et des autres par rapport à ce film. Et de pouvoir répondre aussi à ces gens-là, voilà. Ouais, donc jeudi 19 mars, à Béjaïa, avec l'espoir que le film sera projeté un jour à l'ENTV, par exemple. Inch'Allah. N'est-ce pas ? C'est notre télévision, après tout. Absolument, c'est la télévision publique algérienne. On paye avec notre argent. Oui, avec les redevances. Et qui rapporte jamais la vérité nous. C'est un autre débat. Merci beaucoup, Samuel. Merci pour l'invitation. Et merci pour le travail que vous faites aussi. Merci beaucoup. Sûrement, on va parler de la télévision algérienne en invitant les journalistes de l'ENTV à venir, s'ils veulent bien venir. Parce que c'est un débat où tout le monde est bienvenu. Ça serait bien. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe technique. Merci de nous avoir suivis. Radio M, Radio M Post. L'émission Accès Libre est sur tous les supports, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube.
À très bientôt, au revoir. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.